1, 2, 3, 4. I don't want to go to school tomorrow. I can't study thinking about you. And you know I always do. You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad. Like the kid skipping class in the bathrooms, sneaking cigarettes underneath the football bleachers. De ce qui est important en OIB, de notre expérience, sachant qu'on est en première, donc ce ne sera pas vraiment la même qu'un élève de seconde. Qu'est-ce que ça nous apporte, l'OIB, en tant qu'individu? Bah, évidemment, des connaissances en langue, puisque à la fin, on est bilingue. Aussi, avoir des cours d'histoire en anglais, ça nous apporte une ouverture sur le monde qu'un lycéen lambda n'aurait pas. Juste savoir parler une autre langue, c'est tellement utile pour dans la vie de tous les jours, et c'est génial quoi, comme apport. Alors, la quantité de travail. En soi, si on se focus que sur l'OIB, la quantité de travail, elle est assez normale. Je m'attendais vraiment à pire en termes de quantité de travail et de stress. En fait, il faut rajouter la quantité de travail de l'OIB à la quantité de travail du tronc commun et de toutes les autres matières qu'on a. Enfin, à gérer, il faut vraiment prendre le rythme et au début, c'est un peu compliqué. Moi, les premiers mois, ils ont été hyper durs. J'avais peur de l'erreur, de m'être lancée dans quelque chose et au final, que ce soit une grosse erreur, mais... Ça, c'était surtout à cause de l'angoisse. Donc après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aurais voulu être nulle part d'autre ici. Vraiment pas se dire que c'est insurmontable parce que c'est vraiment pas comme ça que je vois l'OIB. J'ai jamais eu vraiment un rythme de travail régulier. Et on s'en sort quand même très très bien. C'est juste un peu plus riche en fait. Mais c'est sincèrement mon impression. Ça, c'est un autre avantage de l'OIB, c'est que quand vous ferez vos dossiers Parcoursup en terminale du coup, bah, avoir écrit section internationale, c'est un gros avantage. Surtout si vous voulez faire des études de langue ou en fait toutes les études, même pas forcément de langue, mais peu importe la voie que vous allez faire plus tard, ça va vous apporter déjà d'énormes connaissances linguistiques et surtout ça va montrer que vous savez gérer une quantité de travail assez importante. En fait, en OIB, il y a vraiment des élèves de tout profil en fait. Vraiment, il y a des gens très artistiques, des gens très scientifiques, des gens qui savent pas trop dans quoi se positionner. Quand on arrive en seconde, il y a des différences de niveau quand même qui s'égalisent très très vite. Faut pas se dire je suis nulle en anglais, je pourrais jamais faire ça. Parce que déjà, si vous êtes en train de regarder ça, c'est que vous savez parler anglais. L'ambiance de classe. Le mot clé, c'est solidarité. Exactement. Quand vous arriverez en seconde, vous aurez rapidement un groupe de travail sur un réseau social. Donc vous stressez pas là-dessus. Moi, j'ai pas eu de réseaux sociaux pendant toute mon année de seconde. Et ma vie sociale n'en a pas trop souffert. Un petit peu, mais ça va. Donc au final, c'est dommage, mais je vous conseille d'avoir au moins un réseau social. Et les groupes, c'est très utile.
Parce que vous partagez le travail, vous partagez les infos. Le travail de groupe aussi en OIB est ultra présent. Ça va aussi vous apporter un autre truc qui est l'indépendance et un certain niveau de maturité et d'autonomie. Surtout si vous êtes en internat. Ça vous apprend beaucoup sur vous et sur les autres aussi, sur comment agir avec les autres. Et un dernier aspect qui est vachement bien, c'est que alors, vous allez passer 3 ans dans la même classe. Si vous faites tout OIB, vous allez connaître les mêmes personnes pendant 3 ans. Vous allez vraiment construire un esprit de groupe hyper rapidement et qui va vraiment durer. C'est vraiment génial en fait. Vous allez toujours avoir ce groupe, même si vous êtes disloqué dans toutes les différentes spécialités, ça on vous l'expliquera quand vous arrivez au lycée. Vous allez toujours vous retrouver un peu ce groupe auquel, enfin, dans lequel vous appartenez vraiment, et qui peut être un point de repère super, je sais pas comment on dit, rassurant au lycée. Ouais, tu vois. C'est des gens qui partagent vraiment ce que vous vivez, qui ont la même expérience, qui traversent les mêmes choses. Mais du coup, avoir des gens vers qui vous tournez quand vous vous sentez un peu perdu, bah, l'OIB, ça vous apporte ça. Donc ça, c'est génial. On passe pas un concours, c'est le bac, donc c'est un examen. Tout le monde va le passer à égalité. Donc il vaut mieux être solidaire, s'entraider, remonter le moral des uns des autres. Voilà, vous êtes tous dans le même bateau, alors autant se serrer les coudes. Vraiment, et amusez-vous, et voilà, soyez bienveillants et solidaires. C'est la plus grande chose que je pourrais vous dire.